Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un masque de protection d'urgence. C'est un masque qu'on peut le faire à la toute dernière minute. Donc pour ça, j'aurai besoin d'une serviette de table. Comme vous voyez, c'est vraiment une serviette de table. Moi j'ai des serviettes qui font 20 cm sur 20, mais vous pouvez utiliser d'autres un peu plus petites. Donc on prend la serviette et j'aurai besoin aussi de deux élastiques. Voilà. Donc maintenant, on s'occupe de la serviette. Les mains propres, nettoyées, désinfectées et sur un endroit propre aussi, bien sûr. Et on plie tout simplement, voilà. On plie comme ça. Non, plié. Et à la fin, voilà, on arrive à ça. Une fois qu'on a ça, maintenant je prends les élastiques. Donc je prends le premier et je plie. Donc là ma serviette elle est grande, donc j'ai pris quand même une bonne marge. Et si vous avez une serviette plus petite, donc vous ferez un peu plus petit. Donc le pli, vous pliez moins grand. Ah ça souffle, il y a du vent aujourd'hui chez nous. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à la dernière minute. Il suffit juste d'avoir une serviette et deux élastiques. Et voilà ce que ça donne. Donc les bords, je les cache. Et notre masque est prêt. Voilà, il couvre bien et là je suis bien protégée et comme je dis, c'est bien jetable. On l'utilise et dès qu'on rentre, on le jette et on peut garder les élastiques, on les nettoie et on les réutilise et l'autre fois. À très bientôt et prenez soin de vous.